Bon, oui. Bon, on a tout fait. On était dans des vraies conditions, des super conditions, des vraies conditions de scène, en fait, de concert dans lequel on va être. C'était super. Bah ouais, il faut comprendre l'intention d'un film assez vite, parce qu'on peut vite changer tout ce que ça veut dire, tout ce que le film est censé dire selon la musique qu'on met par-dessus. Si c'est, ça peut le rendre triste alors qu'il est marrant, ça peut le rendre marrant alors qu'il est triste, par exemple. Et du coup, ça demande un travail d'apprendre toutes les scènes par cœur, surtout qu'il y a des bruitages, donc il faut être calé, quoi. Tight. Tight. Pas vraiment, en vrai, on vient tous les deux du jazz, quand même. Et on a cette faculté, cet amour pour l'improvisation. On aime bien ça. Donc en fait, ça va, ça vient. Les idées changent, elles ont été modulées. Donc des choses fixes, en fait, avec des bonnes intentions qui collent à l'image, on se rend compte que ça ne marche pas forcément, en fait. De revenir à quelque chose de plus improvisé peut être beaucoup plus intéressant, par exemple. Donc du coup, pas vraiment d'écriture au sens propre du terme, dans le sens... la trame narrative de tout ça, ça se fait petit à petit, en fait. Voilà. Voilà, je me suis équipée de la gamme des flûtes. Je voulais aussi d'ailleurs m'ajouter des flûtes traditionnelles, mais il a fallu s'arrêter. Il a fallu ouvrir la palette des possibles, quoi. Donc ça a été par les flûtes, toutes les tessitures, flûtes basses, alto, piccolo, et toutes les pédales qui sont là, qui me permettent de faire la même chose, et évidemment la beatbox, qui me permet aussi d'ouvrir une note. Bah du coup, ça change la manière d'écrire la musique. C'est-à-dire qu'il faut faire avec cette contrainte. Voilà. Ludy ne peut pas faire quatre trucs en même temps, ce serait bien, mais non. Donc du coup, il faut faire par étapes et il faut réfléchir en fonction de ça. Et la compo, du coup, va se faire en fonction de ces paramètres de contrainte aussi. Ouais. Ah, c'est un plaisir de jouer. Oui. Plaisir de jouer. Moi, j'aime bien ce que je disais à Alexis. J'aime bien jouer Laurel et Hardy. Parce que ça part en couille complètement. Ils détruisent tout à la fin. Ils pètent tout. Et du coup, on met ça en musique. Et c'est jouissif aussi de tout péter derrière son instrument. Ça. Finalement, Laurel et Hardy, c'est du jazz aussi. Voilà. Voilà. Je leur ai joué un morceau à un film déjà et je leur ai expliqué un peu ce que j'utilisais, comment je l'utilisais et pourquoi et comment ça fonctionnait un petit peu. Donc déjà pour des flûtistes, jouer amplifié, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel ou habituel, donc voilà, jouer dans un micro. Pourquoi ? J'explique aussi parce que les instruments avec lesquels on joue, etc., ça dépend de l'esthétique. Les différentes pédales qui me permettent le delay, l'octaveur, voilà, j'ai le looper évidemment qui permet de s'enregistrer en direct, qui peut être très ludique, voilà, pour tout le monde, j'ai été pour les enfants, mais non, c'est très ludique pour moi aussi. Et donc je les ai fait essayer, puis je les ai fait essayer des différentes flûtes, surtout la flûte basse, dont ils n'ont pas trop l'habitude d'en voir une. Et donc voilà, c'est très bien passé.